Alléluia. Amen. Reprenons place et acclamons très fort we pour Jésus. Si possible, de saluer la personne qui est à tes côtés. If possible, you can greet the person sitting next to you. Avec joie. With joy. Avec allégresse, nous sommes dans la présence du Seigneur. With the happiness, we are in the presence of the Lord. Que Dieu soit loué. May God be praised. Dieu est merveilleux. God is wonderful. Vous savez, Dieu nous a fait beaucoup de bien tout au long de ces mois. You know, God has done so many great things to us all along this month. Il nous a fait beaucoup de bien. He has done us so many good. Nous ne sommes qu'au commencement de l'année. We are just in the beginning of the year. Mais Dieu nous a fait déjà beaucoup de bien. But God has done already so many things. Oh, j'attendais quelqu'un dire amen. I was waiting for someone to say amen. L'église, nous tenons à remercier Dieu. Church, we are thanking God. Qui nous a fait grâce. Pour la première fois. For the first time. Depuis l'existence de notre église. Since the beginning of the existence of our church. Nous avons fait un jeûne de 21 jours. Where we did fasting for 21 days. Au mois de janvier. In the month of January. Au mois de janvier. In the month of January. Nous faisons des retraites. We do retreats. C'est souvent au milieu de l'année. It's usually in the middle of the year. Fin de l'année. Or toward the end. Mais Dieu nous a fait grâce. But God did us grace. Au début de l'année. In the beginning of the year. Nous étions dans la montagne. We were in the mountain. Et à la montagne. And in the mountain. L'Éternel a pourvu. God has provided. À la montagne. In the mountain. L'Éternel a fait manifester sa gloire. God manifests his glory. À la montagne. In the mountain. L'Éternel nous a visités. God visited us. Et nous tenons aussi à remercier tous les ouvriers, all the workers, tous les membres all the members, qui ont fait de leur mieux that did their best, malgré leurs horaires despite their schedules, compliqués, complicated mais schedule, ils ont accédé soit en ligne, they've been, participating soit individuellement ici, or individually here, et beaucoup ont participé. So many participated. Et nous avons fait aussi le record de prières en ligne. We did also the record of the people that was going online. Il y a eu plus de 20 personnes. There were more than 20 15 personnes. People, 15. Et les gens étaient vraiment imprégnés dans cette bain de prière. People were really carried away with this. Et nous croyons que Dieu est en train de nous amener dans une autre dimension. We know that God is taking us into another dimension. Mais particulièrement, particularly, nous étions inquiets, we nous les pasteurs, as pastors, de remarquer que même pendant la fin, to notice even towards the end, ceux qui sont les ouvriers, those who are workers, nombreux parmi nous ne se sont pas présentés, so many among us did not present ils n'ont même pas appelé. They did not call. C'est un manque de considération à l'égard de Dieu. It's not being considering à l'égard des hommes de Dieu que Dieu a établis. And not considering the men of God that God has established mais in the church. Nous ne vous tenons pas rigueur. But we're not holding that against you. Nous vous pardonnons. We forgive you. Mais la prochaine, but next time, vous notifiez. You have to notify. Soit appelé. Or call. Nous connaissons la réalité de ce pays. We know the reality of this country. Que Dieu nous bénisse. May God bless you. Acclamons très fort la parole. Let's clap for the word of God. Gloire à Dieu. Glory to God. Notre thème du mois, c'est nous parlons sur la prière, jeûne et prière. The theme of a month, we're talking about fasting and praying. Le sous-thème que je vais devoir aborder ce soir. The subtitle that I'm going to talk about tonight is. Une grâce excellente dans la prière. An excellent grace in prayer. Une grâce excellente. An excellent grace. Ça c'est une, oh, ça c'est le mot sous-point que je vais devoir développer. That's the subtitle développer ce that soir. I'm going to develop tonight. Et nous avons plusieurs versets que nous allons lire. We have so many verses that we're going to read. Mais j'aurais souhaité que nous puissions lire trois. I'm just going to suggest that we read three. Et après je vais devoir donner au fur et à mesure que nous allons avancer. And then avec as Dieu. We go on, I'm going to give more. Si on peut se tenir debout. If we can stand up. Nous allons lire les livres. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. We're going to open our Bibles in the book Luc, of Luke. Luc, le chapitre 1er, le verset 19. Luke 1, verse 19. Luc 1, verset 19. Luke chapter 1, verse 19. Après, nous allons lire Esaïe 9. And then we're going to read Isaiah 9. Le verset 1er jusqu'au verset 4. The first verse until the fourth verse. Et enfin, nous allons lire Esaïe 30. Then we're going to read Isaiah 30. Le verset 18 au verset 21. Ne vous en faites pas, je vais revenir. Don't worry, I'm going to go back. Je disais tantôt Esaïe chapitre 1 au verset 19. I was saying Luc plutôt, 1 verset 19. Luke 1 verse 19. Vous suivez, vraiment vous êtes impliqué. Esaïe 9 verset 1 au verset 4.
Isaiah 9, verse 1 to 4. Esaïe 30, 19, 18 au verset 21. Isaiah 30, to 18 to 21. Vous avez écrit, n'est-ce pas? Did you write? Nous commençons par le premier verset. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut lire à haute voix et nous, l'Église, nous allons suivre la lecture ensemble. If someone has found the first verse, they can read it, and then the church, we're going to follow along. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. This good news. Luc chapitre 1, verset 19, c'est ça? Luke chapter 1, verse 19. Non, je disais c'est je pour publier une année de grâce. To publish the year of grace. L'esprit du Seigneur sur moi pour publier une année de grâce. The spirit of the Lord is upon me to publish the year of grace. That's okay. Luc 4 18. 4 18. 18. Voilà. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Le verset 19 est vraiment très important. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Verse 19 is very important to proclaim the year of the Lord's favor. Esaïe 9, Isaiah 9, le verset 1er au verset 4. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes les grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui... Jusqu'au verset 4, homme de Dieu. Ok. Juste 4. Car le joug qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les prises comme la journée des mendiants. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement... Amen. Parole du Seigneur. Esaïe 30, Isaiah 30, verset 18 au verset 21. Esaïe 30, 18 au 21. Amen. Ok. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste et heureux tous ceux qui espèrent en lui. Jusqu'au verset 21. Ah, jusqu'au 21. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand il criera. Dès qu'il aura attendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui instruisent. Tes oreilles attendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y. Parole du Seigneur. Word of God. Assoyons-nous et acclamons très fort la parole du Seigneur. Let's clap for the word. La grâce excellente dans la prière. The excellent grace in prayer. À la fin, nous allons devoir parler sur la prière. In the end, we're going to talk about prayer. La prière de la grâce. The prayer of grace. Cette prière que Dieu lui-même. That prayer which God himself. Se présente pour dire à son peuple. He presents himself to tell his que people. Que tu ne pleureras plus. That you shall not cry no more. Tu ne pleureras plus. You shall not cry. Ça c'est la promesse de Dieu à Israël. That's the promise of God to aujourd'hui, Israel. Aujourd'hui Dieu ne s'adresse pas à Israël. Today God is not addressing Israel. Aujourd'hui Dieu s'adresse à l'église Open Door. But today God is addressing himself to aujourd'hui, the Dieu people s'adresse à ta open famille. Door. And God is addressing Dieu
Dieu dit, tu ne pleureras plus. He said, you shall not cry. Dieu s'est rendu compte que tu as beaucoup pleuré. God has noticed that you've been crying a lot. Dieu s'est rendu compte que tu as beaucoup pleuré. He noticed that you cried a lot. Tu as pleuré pour ta vie. You cried for your life. Tu as pleuré pour ton avenir. You cried for your future. Tu as pleuré pour ta famille. You cried for your family. Parce qu'il y a eu des choses. Because there have been things. Il y a eu des événements. There have been events. Que tu as vécu dans ta vie. That you've lived in your life. Qui t'a enlevé la joie de vivre. That removed joy in your life. La joie de pouvoir servir même Dieu. He removed joy for à you to serve ces réalités, even. Because of those realities. Tu ne faisais que pleurer dans you ta have vie. Just been crying in your Dieu life. Le voyait. God was seeing that. Dieu voit tes pleurs. God sees your cries. Dieu voit les pleurs de ta famille. He sees the cries of your Dieu family. Voit ce qui te dérange. He sees what Mais deranges you. Moment, in what Dieu moment, a pris la résolution de s'éteindre. God took a resolution to c'est just remain il quiet. Pas. It means as if he was not existing. Laisse-moi te dire une chose dans Let la me vie. Tell you one thing in life. Quand tu marches avec Dieu. When you walk with le God. Le silence de Dieu dans ta vie. The silence of God in your n'est pas life. Synonyme de son absence. It doesn't mean that he's absent. Tu peux remarquer que Dieu est silencieux à ton égard. You may égard. Notice that God is silent tu pleures et rien ne se fait. You crying and nothing tu is happening. Tu pries rien ne se manifeste. You praying and nothing is manifesting. Dieu n'agit pas avant le temps. God doesn't work before Dieu the time. Dieu n'agit pas après le temps. God does not work mais Dieu agit à son temps. God works in his Dieu time. Agit à son temps. He works in his et ce soir, and tonight, Dieu est en train de s'adresser à une personne. God is talking to someone. Il te dit ceci. He's telling you this. Tu ne pleureras plus. You shall not cry. Si tu as pleuré l'année passée. If you cried last si year. Tu as pleuré l'année 2017. If you cried in year 2018. 2018, en 2019, in 2019, Dieu lui-même a pris la résolution God himself took the pour te dire to tell you, assez c'est assez. Enough is enough. Tu ne pleureras plus. You shall no longer tu cry. Ne pleureras plus. You shall no longer et quand cry. Dieu te dit que tu ne pleureras plus, and when Lord ça dit qu'il a you pris déjà des dispositions. That means he already took il a pris déjà des dispositions that means he prepared afin everything que tu puisses already, sortir. So that you can come out. Le camp de ceux qui pleurent. In the camp of those who pour are crying, entrer dans le camp de ceux qui se réjouissent. To go to the side of those who are rejoicing. Oh, je suis en train d'annoncer une chose ce soir. I'm announcing something tonight. Quelqu'un va sortir de ce lieu avec un cri de joie et allégresse. Somebody is going to come out of this place with parce shout of joy. Parce que les gémissements vont rester en ce lieu. Because the cries and the mourning parce are going to remain Dieu, in this place. Dans la vie d'une personne. Because God, when he comes in the life of someone, Dieu ne vient pas pour essuyer les larmes. He doesn't come to wipe your mais tears. Mais Dieu vient pour sécher les larmes. He comes to dry them. Il va à la source. He goes to the source. Là où il y a les problèmes. Where there is problems. Il déracine les problèmes. He unroot them. Il efface tous les traces. He erase all qui the traces. Qui te fait pleurer. That makes you cry. Et cette année 2019. And this year 2019. Tu ne marcheras pas la tête basse. You shall not walk tu ne marcheras pas la tête comme ça. You will not mais walk tu with your sortiras head la tête bien haute. You will go out parce with que your ton head. Dieu a pris la résolution. Because the Lord has et il a résolu. And he has resolved dans le conseil céleste in the celestial que toi that you, tu ne pleureras pas that you shall no longer cry. Tu as longtemps pleuré you have cried for so tu as pleuré pour ta vie you cried for your tu life. As pleuré pour ton mariage you cried for your marriage. Tu as pleuré pour ton époux you cried for your tu as pleuré pour ta femme you cried for your tu wife. As pleuré pour tes petits frères you cried for your tu as pleuré siblings. Pour ta famille you cried for your et family. Dieu a vu ces choses and God put arrivé à un certain moment Dieu dit à son peuple habitants de Jérusalem peuple de Sion tu ne pleureras plus. You shall no longer mais où est-ce que l'Éternel était? Where were God pendant que le peuple d'Israël pleurait, as the people of Israel were crying, Dieu ne s'adresse pas à un autre peuple. God is not addressing to another people. Mais Dieu s'adresse à un peuple. But God is addressing peuple d'Israël. The people of Israel. Un peuple qui a la promesse. The people who has the promise. Un peuple qui a l'alliance de Dieu. The people who has the covenant mais les mêmes peuples qui ont l'alliance avec Dieu. The same people who has the covenant ils ont connu God. Des moments difficiles. They've encountered difficult ils ont moments. Pleuré dans leur They've vie. Cried in their lives. La marche chrétienne in the Christian walk, n'exclut pas de pleurer. It does not prevent quand the il est question de pleurer, when it comes to crying, pleure. You can cry. Mais il y a un Dieu but there's a God. Qui est le consolateur des cœurs brisés. Mais il y a un Dieu qui vient pour changer l'histoire de l'homme. Et ce Dieu-là, c'est celui que je suis en train de prêcher ce soir. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand la Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela revient à dire hier,
yesterday. Il était le Dieu de l'ancienne alliance. He was the God of the old covenant. Alliance, in the old covenant. Christ n'était pas encore Christ sacrifié. Was not, it was not yet sacrificed. Christ n'a pas encore, n'était pas encore sacrifié. Christ was not yet sacrificed. Mais il y a eu des gens qui n'ont pas prié. That did not pray. Mais Dieu a intervenu dans leur vie. But God intervened Dieu in les their a life. Bénis. God blessed Dieu them. Les a arrachés du danger. God prevented Dieu them les a from délivrés. He delivered Dieu them. Les a amenés dans le bon pâturage. God took them Mais in the good ils n'ont pasture, pas prié. But they did not pray. Ça c'est hier. That was yesterday. Et si hier il a fait ça, and if yesterday aujourd'hui, today, c'est le temps de l'église. It's the time of the le church. Temps de l'église commence dans le verset, dans le livre de Matthieu. The time of the church starts jusqu'au livre d'Apocalypse. Until the book of ça, c'est Revelation. L'aujourd'hui de Dieu. That's the today of God. Dans l'ancienne alliance, and if in the old il s'est manifesté manifest aujourd'hui aussi. Today also, il est le même. He's the same. Si il a agi avec Pierre, if he worked with the il peut Peter, agir avec toi. Today, si il a agi avec une you. Femme dans la Bible, if he did with il peut agir avec une femme ici dans cette église. Si il a agi avec un pauvre dans l'ancienne alliance, il peut agir aujourd'hui avec un pauvre à l'église. He can also do it with the poor il est le Dieu qui prend door. Dans la boue he, the God who et takes il fait asseoir avec les grands. And it makes them si hier with the il a fait avec David, and if yesterday si he hier did it with il a fait David, avec Joseph, if it, if aujourd'hui he did it with Joseph, today, il peut le faire dans ta vie. He can also do il it peut in le faire dans cette église. He can do it et in quand this Dieu veut faire quelque chose, and when God wants to do il ne demande pas le conseil des autres. He doesn't ask for it, someone's advice. Il ne demande pas le consentement de ta famille. He doesn't ask for consent il from le fera he will do it à cause de sa justice. Because of his et nous avons lu ici here, la Bible dit heureux le peuple qui espère en l'Éternel. The Bible says happy are those who hope for, to the Lord. Aussi longtemps que tu as pris la résolution d'espérer en l'Éternel, as long as you took the resolution to hope on the Dieu Lord, t'appelle bien heureux. You are called happy. Alléluia. Amen. Tu étais en train de pleurer. You were crying. Tu étais en train de gémir. You were mais dans tes gémissements, but in no mourning, dans tes pleurs, in your cries, tu penses espérer à l'Éternel. You think to hope même on si the les Lord. Gens te voient dans tes pleurs, even if people are mais looking quand at you tu espères déjà à l'Éternel, but if you're hoping la Bible already in t'appelle the Lord, bien-aimé. The Bible calls you happy. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère à l'Éternel? Is there someone who hopes in the Lord? Que Dieu soit loué. May God be blessed. Nous avons lu dans Luc chapitre 4 verset 19. We read in Luke chapter 4 verse 17. Pour publier une année de grâce du Seigneur. To publish a year of grace of the Lord. Cette année de grâce. That year of grace. Chaque année. Every year. Dieu ne verse dans la vie de ses enfants. God pours in the grâce particulière. Children a particular. Et quand on parle de la grâce. And when we talk about the grace. Ce n'est pas les efforts que l'homme fournit. It's not the effort that man does. Ce n'est pas les mérites de l'homme. It's not the merits of men. Mais c'est les cadeaux de Dieu. But those are gifts dans la vie de l'homme. In the life of men. Et cette année 2019. And this year 2019. Dieu va nous faire grâce. God is going to do us grace. Dans cette église. In this church. Il y a des gens où la vie sera des vies transformés. There's people where lives des will be hommes inutiles qui vont devenir des entrepreneurs. The useless people who des hommes durieux qui vont engager plusieurs personnes. And the people who Dieu nous fera grâce dans cette église. People, God will do us grace. Ça ne sera pas parce que nous sommes une meilleure église à Seattle. It's not because we are the best church ça in ne sera Seattle. Pas parce que nous prions beaucoup. It's not because we pray mais a lot. Dieu a pris la résolution de but nous God faire grâce. The resolution to do us grace. Et quand la grâce de Dieu vient, and when the grace of God comes, la grâce de Dieu vient avec la lumière. The grace of God comes with light. La grâce de Dieu vient avec le soleil. The grace of God comes with the sun. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ le soleil de la justice. That's why the Bible calls him the son of the righteous. Pour mieux comprendre l'importance du soleil. To better understand the importance of the sun. Je ramène ceux qui viennent de l'Afrique, je vous ramène en Afrique. And I'm taking those who come from Africa and I'm bringing you back to Africa. Pendant que le soleil se lève. As the sun is rising. On a l'espoir. We have the hope. Que même si hier je n'ai pas mangé. That even if yesterday mais aujourd'hui je vais manger. Today I might. Quand le soleil se lève. When the sun rises. On a l'espoir. We have the hope. Que je vais laver mes habits. That I'm going to wash my clothes. Et le rayonnement du soleil. And the sun va sécher mes habits. And it's going to dry on a l'espoir. We have the hope. De dire que si hier. To say
say, if yes, j'étais dans la boue, I was in the mud, le soleil doit se lever, the sun et va sécher la boue dans mon passé. The mud in my et Dieu est comme le soleil de la justice. And God is the son of il se lève cette année He's rising this year à l'église open door, in the open door pour sécher les larmes d'une femme. To dry the tears il se lève dans cette église pour sécher les problèmes d'un homme. To dry the il se lève dans cette église pour sécher la sorcellerie dans la famille. Dieu se lève comme le soleil de la justice. God will be as the son of éclairer la vie de plusieurs. He's gonna light up the life of me. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du soleil, when we talk about the sun, c'est une clarité mise par le soleil. It's a clarification put by the sun, qui éclaire les objets that lights up objects, et les rend visibles. And makes them visible. Les rend visibles. It makes them visible. Le soleil se lève que là où il y avait l'obscurité. The sun rises only where there were darkness. Or celui qui vit dans l'obscurité, or the one that lives in darkness, ne peut pas voir s'il y a des bénédictions à ses côtés. They cannot see if there's blessing in même s'il y a de l'or à ses côtés. Even if there's gold, il ne peut pas voir they ça. They cannot see. Il vit dans l'insécurité. They live in the security. Il vit dans le tâtonnement. He live in parce qu'il est environné de l'obscurité. Because they are surrounded by mais darkness. Quand la lumière apparaît, but when the light quand comes, le soleil vient, when the sun shows le soleil délivre la personne de l'obscurité. The sun was gonna deliver l'obscurité est l'image de la sorcellerie. The darkness is an image of sorcery. L'obscurité est l'image de la maladie. Darkness is a sign of a sickness. La maladie chronique. A chronic sickness. La maladie héréditaire. A sickness. Image de fléau. It's an image of so many things. Que tu traverses. So many realities that dans you go ta through vie. In your life. Tu connais ce qui te fait pleurer. You know what makes you cry. C'est là une image. That is the image of the darkness. Mais cette année, but this year, Dieu a pris la résolution. God took the resolution de se lever dans ta vie. To rise up in your il life. Il se lève comme le soleil de la justice. He's rising up as the il va sécher tes problèmes. He's gonna dry your il va sécher tes larmes. He's gonna dry your tears. Il va sécher tout ce qui a comme difficulté, tensions négatives dans ta vie, all the negative problems in your life, que tu ne peux pas expliquer aux hommes, reality that you cannot explain le soleil de la justice, the son of the righteous, va s'élever cette année is gonna rise today pour transformer to transform tes ténèbres the darkness en lumière. The darkness into light. Les ténèbres à lumière. From the darkness to la maladie light à la guérison. The illness to la mort à la résurrection. In the death or to de l'échec à le premier. From failure to being l'homme, the first. L'homme rejeté. The one who was mais qui rejected, devient une source de bénédiction pour plusieurs. Can become a source of a solution to many. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras rayonné. You will be light now. Tu seras rayonné. You will be light now. Tes problèmes sans solution. Your problem with this, tes with situations solution. Sans solution. Your situation without solution. Ça suffit. It's over. Cette année. This year. Cette année. This year. Dieu va intervenir. God is going to intervene. Dieu va intervenir. God is going to intervene. Dans Lamentations chapitre 23 le verset 22. In Lamentation chapter 3. Chapitre 3. Chapter 3. Le verset 22. Vous allez lire à la maison jusqu'au verset 22, 23. You're going to read it at home. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. The Bible says the goodness of the Lord does not run out. Les bontés de l'Éternel. The goodness of the Lord. Au pluriel. It's in plural. Dieu a visité plusieurs personnes. God visited so many people. À cause de ses bontés. Because of his goodness. Non pas parce que ces hommes-là méritaient d'être bénis. No, because those people deserved to be blessed. Mais c'était à cause des bontés de l'Éternel. But it was because of the goodness si of the Lord. Et si toi, tu as été condamné à être maudit. You have been condemned to be cursed. Tu as été condamné à échouer dans ta you've vie. You've been condemned. To condamné à vivre les situations chaotiques. Condemned to live chaotic Dieu situations. Par sa bonté. God by his goodness. Dieu par sa bonté. God by his goodness. Va te visiter cette année. He's gonna visit you Dieu this va year. Étonner les gens. He's gonna astonish people. Par rapport à ce qu'il va faire dans ta vie. According to what he's gonna do in your life. Connu, those who knew you. Ils connaissaient les passés de ta vie. They knew the past. Mais ce que l'Éternel va faire cette année avec but toi. What the Lord is gonna do les gens with vont you rendre this year. Gloire à Dieu. The people are gonna give parce que ce qu'ils vont God. Voir Dieu agir dans ta vie. Because what you're going to see God doing in your life. Va mener plusieurs gens à se confier davantage à Dieu. It's going to bring more people to si give them confidence in you. Acclame très fort le nom de Jésus. Before you clap the name of Jesus. Acclame très fort le nom de Jésus. Clap for the name of Jesus. C'est pourquoi bien-aimés dans le Seigneur. That's why beloved in Christ. Les bontés de l'Éternel. The goodness of the Lord. Ne sont pas épuisées. Does not run out. Si nous ne sommes pas
appelé à être béni, if we're not called to be blessed, nous comptons sur les bontés de l'Éternel. We're counting on the goodness si dans ma famille, if in my family, personne ne peut évoluer, no one can move, nous allons compter sur les bontés de l'Éternel. Si dans ma famille, if in my family, je ne peux pas vivre la gloire de Dieu, I cannot live the glory je vais of God. Compter sur les bontés de l'Éternel. I'm gonna count on the blessings les bontés of de l'Éternel Lord. Ne sont pas à leur terme. The goodness of the le Lord monde dit que la liste n'est pas exhaustive. Si hier Dieu a visité quelqu'un, aujourd'hui il peut te visiter. Si Dieu a élevé hier quelqu'un, aujourd'hui il peut le faire dans ta vie. La Bible dit ceci, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Aussi longtemps, les termes congolais disent ceci, aussi longtemps que ton nez ne regarde pas vers le ciel, il y a encore à espérer. Il y a encore à espérer. La Bible dit ceci, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. It's better than a dead lion. Il y avait ça là encore. Un chien vivant a living dog vaut mieux is better qu'un lion. Than a lion. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, that means un chien a dog. C'est quelqu'un qu'on bafoue. It's a dog. It's someone that we quelqu'un qu'on peut rejeter facilement. Something that we can qu'on peut mettre à l'extérieur. That we can put aside, qui n'a pas d'importance. That does not have qui est inutile. That is useless. Mais aussi longtemps qu'il vit. But as long as he lives. Aussi longtemps qu'il vit. But as long as he lives. Il peut devenir plus milliardaire que Mobutu. It can be more millionaire more than Mobutu because Mobutu. Il peut devenir plus milliardaire que tous les milliardaires qui sont déjà morts. He can be a billionaire more than any aussi other longtemps que tu as la vie. As long as you have life. N'accepte pas que tu sois discriminé. Don't accept to be discriminated. Alléluia. Amen. N'accepte pas que tu sois discriminé. Don't accept to be discriminated. Parce qu'on peut venir. Because we can come. Là où tu habites. Where you live. Pour te rendre visite. To visit. Je viens de Brésil. He said, I'm coming from Brazil. J'ai acheté les cabellos. I bought cabello. Je vais donner à une sœur pauvre qui habite là-bas. I'm gonna give. Non, je suis venu chercher l'Isère, la sœur qui est malheureuse dans notre église. Really tu viens toquer la porte. Church, on te dit, pourquoi venir chercher celui qui est riche parmi les pauvres? Say, il n'est plus ici. Il est poor. Déjà le plus riche, he's la plus riche. The, la femme la plus milliardaire des États-Unis. The le US. Passé de ta vie n'affectera life. Jamais ton futur. It's not gonna affect your future. Je répète, le passé de ta vie the past of your life. N'affectera en rien ton futur. Ton futur est caché entre les mains de Dieu. Your future is hidden ton in the hands futur of God. Est caché entre les mains de your Dieu. Future is hidden in the et hands aussi of longtemps the Lord. Tu as de l'espoir, as long as you have hope, aussi longtemps tu as de l'espoir, as long as you have hope, tu peux devenir. You can become. 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 Président, a president, ambassadeur, ambassador, entrepreneur, entrepreneur, je ne sais quoi. I don't know what, tu peux devenir. But you can become. La femme la plus heureuse. The wife, the more la plus bénie du monde. The more blessed. L'homme le plus heureux du monde. The man la the more happy. Alléluia. Amen. Yeah. La présence de Dieu. There's presence of God. La présence de Dieu the presence of dans God cette église in this church nous amène à vivre it makes us live une année de grâce. A year of grace. Une année de grâce. A year of grace. C'est-à-dire, nous n'allons pas fournir beaucoup d'efforts. That means we're not gonna make any effort. Nous n'allons pas fournir beaucoup de gymnastique. We're not gonna do so many exercises. Mais la grâce de Dieu va se surabonder. But the grace of God are gonna surabond. Et les gens seront étonnés. The people are gonna be mais astonished. Tu n'es pas qualifié à faire ça. You're not qualified to mais do comment that. Tu as des résultats comptés? How come you have so many la grâce de Dieu avec moi. Because the grace of God mais tu ne mérites pas d'être là où tu es. Oui, je ne mérite pas selon la, yes, les lois humaines. I don't deserve mais selon it. La grâce de Dieu. Dieu m'a qualifié. The grace of God. Dieu m'a qualifié. Dieu va qualifier une God personne qui a qualified. Été disqualifiée par les humains. God is gonna qualify someone Dieu va qualifier une personne qui a été disqualifiée par les humains. God is gonna qualify someone peu importe who has been ce que tu es, la grâce de Dieu va te qualifier. La grâce de Dieu viendra you. Te localiser là où the tu es et t'amènera dans l'excellence. It will take you tu to ne the seras excellence. Plus la même personne. You will not be the person. Tu ne seras plus la même personne. You will not be the same person. Tu personne est transformée. You'll be a transformed et quand les gens verront ce que l'Éternel fera avec toi, cela va amener les gens that will push à se confier davantage à Dieu to confide themselves et à venir prier en ce lieu. And to come and pray in this place. Amen.
Tu deviendras le sujet de l'évangélisation. You will become a subject of evangelization. Ça ne sera pas plus longtemps. It will not take long. Pour certains d'entre nous, ça sera dans 3 mois. For so many of us, it will be 3 months. Avec les autres, ça sera dans 6 mois. Before others, it will be 6 months. Et ceux qui seront persévérants, peut-être, ça sera dans 9 mois. Those who will persevere will be in 9 months. But 2019 ne sera pas à son terme. Quelqu'un viendra en ce lieu témoigner les bontés de l'Éternel. Quelqu'un viendra en ce lieu dire le bienfait de ce que l'Éternel aura fait dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le temps. Allons plus vite maintenant. Let's go far. Là où je vais prêcher. Ésaïe 9. Nous allons étudier quelque chose par la grâce de Dieu. Est-ce que vous y êtes? Acclamons très fort le nom de Jésus. Acclamons très fort le nom de Jésus. Amen. Mais j'aurais souhaité que nous puissions revenir un peu. Vous êtes sur Ésaïe 9. You are in Isaiah 9. Mais remontez au verset 23 du chapitre 8. Let's go to the verse 23 of the chapter. Remontez au verset 23 du chapitre 8. We're going back to chapter 8, verse 23. Verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Alléluia. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, les pays des Zaboulon et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire du païen. Amen. Amen. Parole du Seigneur. The word of God. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. And the darkness shall not remain forever. Remarquez, Dieu dit ici les ténèbres au pluriel. Notice here that God is saying the darkness in plural. Et Dieu tient à notifier que les ténèbres ne régneront pas toujours. And God is saying that the darkness shall not remain forever. Dieu a conscience qu'il y a les ténèbres dans le pays de Zabulon et de Nephtali. God is conscious that there is a darkness in the country of Zabulon. Le pays de Zabulon et de Nephtali sont les descendants d'Abraham. And those are the descendants of Abraham. Et par conséquent, les promesses d'Abraham sont leurs promesses. And being so, the promise of Abraham is also theirs. Le Dieu d'Abraham est leur Dieu. The God of Abraham is also their God. Et tous les bénéfices que Abraham devait jouir devant Dieu, et cela devait aussi avoir son accomplissement dans leur vie. All the beneficial things that Abraham had to live in his life is also their portion. Mais la Bible dit, les ténèbres the darkness est venu envahir le territoire de Zabulon et de Nephtali. Came to invade the territory of Zabulon and Nephtali. Il y a des gens aujourd'hui dans l'église, malgré qu'ils prient, mais ils sont environnés par les ténèbres. There's people in church today, despite their praying life, they're still surrounded by darkness. Il y a les ténèbres dans le domaine sanitaire. There's a darkness in the sanitary way. Santé. In the health. Plusieurs maladies. So many sickness, mais qui n'ont pas d'origine. That does not have origins. Plusieurs réalités. So many realities. Complications dans les études. Complications in the school. Complications dans les dossiers. Complications in their the complications papers. Dans tous les aspects. In all aspects. Dans les finances. In finance. Tout cela résume les ténèbres qui règnent dans la vie de plusieurs dans l'église. All that resumes the darkness that remains in people's life in the church. Mais je sais une chose. But I know one thing. La Bible dit. The Bible says. Les malheurs atteignent souvent les justes. The bad things happen always. Mais l'Éternel les délivre toujours. But the Lord delivers them malgré always. Malgré les ténèbres dans ta vie. Despite the darkness in your malgré life. Malgré les ténèbres dans ta famille. Despite the darkness malgré in your les ténèbres dans finances. Despite the darkness in your malgré les ténèbres dans ton foyer, l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. The Lord has not il se peut que tes amis ont déjà dit le dernier mot. Maybe your friends have said il se peut que tes collègues ont déjà dit le dernier mot. Maybe your colleagues have said the last et le dernier mot, but the last word, dans leur vie, in their lives, quand ils s'adressent à toi, when they're talking to c'est you, le sujet de moquerie, it's a subject of c'est le sujet d'humiliation, it's a subject of humiliation, c'est le sujet de honte pour toi. It's a subject of shame for à you. Cause de cette ténèbre qui caractérise ta vie. Because of this darkness that characterizes mais n'oublie jamais. But don't forget. Peu importe la grandeur des ténèbres. Despite the greatness of your peu darkness. Peu importe la grandeur des réalités que tu traverses. Despite the greatness of the reality celui that qui you est en toi. The one who is in est you plus grand que les ténèbres. Is greater than the darkness. Celui qui est en toi. The one in you. Est plus grand que
problème, is greater than the problem. Si ta vie est caractérisée par les problèmes, if your life is characterized quelle image by problem, de ténèbres, is, which is the tu as image un of the Dieu you have a God qui s'appelle le soleil de la justice. That is called the sun of et the quand lui il s'élève, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres disparaissent. It disappears. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, you know, beloved in Christ, les ténèbres, c'est quoi? What is the darkness? On définit les ténèbres comme étant l'absence de la lumière. We define the darkness as the absence l'absence de la lumière. The absence of light. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent l'absence de la lumière dans leur vie. There's people today who live the absence of l'absence light de la lumière. Or, la lumière, c'est Jésus. Or the light is Jesus. Et quand on n'a pas Jésus, and when we don't have Jesus, on est sujet de vivre dans l'obscurité. We are subject to live il y a in des darkness. Gens qui viennent dans l'église, there's people who come to church, qui sont des territoires de Zabulon. In the territory of qui sont Zabon, territoire de Nephtali, they're in the territory of Nephtali, qui viennent dans l'église, they come to church, mais sans attachement à Dieu, without being attached sans to God, une vie de consécration, without a life of consecration, sans une vie de piété, without a life of sans papaya, une vie de sainteté, without a life of sanctification. Cela entraîne que les gens puissent vivre dans l'obscurité profonde. That makes people to live in the deepness, dark in même life. Si tu cries, even though you shout, Dieu ne répond jamais au péché. God does not answer même to si sin. Tu te bats, even if you fight, Dieu n'agira pas. God shall, will not parce work. Que le problème, the problem, c'est le péché. It's the sin. Et mon père spirituel disait ceci. And my spiritual father was le saying péché this, the sin, empêche Dieu. It prevents God. Empêche Dieu d'agir. It prevents God from empêche acting. Dieu de bénir. It prevents God from empêche blessing. Dieu de lever. It prevents God c'est from pourquoi lifting dans l'église, that's why in the church, nous prions beaucoup, we pray so mais pas lot, de résultats. So many parce little que plusieurs parmi nous, so malgré notre présence dans l'église, mais notre cœur est à l'extérieur de l'église. Et nous allons fournir beaucoup d'efforts, so peu de résultats. So many little results. Beaucoup de gymnastique, so many peu de résultats, little results. Parce que la vie de Dieu n'est pas en nous. Because the life of Christ is not in us. La vie de Dieu n'est pas en nous. The life of God is not in us. Rappelle-toi, remind yourself, Dieu est cet étranger-là. Who is the stranger? Où partout il visite. Wherever he goes to visit. Il n'habite pas avec un étranger. He doesn't live with a stranger. Vous allez me comprendre. You're gonna understand. Dieu est cet étranger-là. God knows that the stranger. En parcourant le monde. By going in the world. Il ne va et ne visite que là où il y a ce que nous appelons les compatriotes. He just goes where we call the patriots. Compatriotes. The patriots. C'est-à-dire les ressortissants d'une nation. That means the people who reside in that il va nation. Prendre les identités. He's going to take their identity. S'il doit aller à Kent. If he has to go to Kent. À Kent, il y a un céleste. In Kent, there's il a vit sur 50e avenue. He lives in that il vit sur 70e avenue. Il ne viendra jamais dans une maison d'un inconnu. He's not going to come parce qu'il n'y a pas de relation avec lui. No, because there's no relationship between them. Pour que Dieu puisse venir loger chez toi, in order for God to come live in il doit y avoir une relation. There's got to be a relationship. Même en passant, il dira non, je vais saluer quelqu'un. Even by passing by, he's parce que say, vous avez cette relation là. Because you have that mais relationship. Si vous n'avez pas cette relation, but if you don't have that relationship, il va passer comme s'il ne connaît pas cette maison. He's just going to pass by parce as if he doesn't pas know une the relation. House. Because there's no relationship. Et ce soir, nous allons créer une relation avec Dieu. And tonight we're going to create a relationship. Et cette with relation God. Nous a été connectée par Jésus-Christ. And that relationship has been created il suffit to de regarder us by Jésus. Jesus Christ. If you want to look at lui Jesus, nous connecte vers le Père. He's going to connect us to the Father. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne règneront pas toujours. The darkness shall not remain. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. In the earth where there's anguish. Les ténèbres. Darkness. Profonde obscurité. A deep darkness. Profonde obscurité. A deep darkness. Et pour plusieurs. For so cela many, peut provoquer même la peur. It can even create fear. Et la peur n'a pas d'âge. A fear doesn't have an age. La peur n'a pas d'âge. Fear doesn't have an age. Moi, je vis un vieillard. I've seen an old person. Un vieillard avec la canne. An old person with a cane. Mais qui avait peur de traverser là où il y avait le cimetière. He was afraid to cross where there was a cemetery. Vous me comprenez? You understand? Vous me comprenez? You understand? La peur n'a pas d'âge. Fear does not have any. N'avez-vous jamais entendu une mère ou un père dire à son enfant, tu m'as fait peur? Have you not heard of someone, a parent say to their child that you made me scared? Qui n'a jamais entendu ça? Who's never heard la that? La peur n'a pas d'âge. Scary of your fear does not have a change. Amène la personne à vivre dans la paix. And darkness brings someone to live in fear. Tu vas avoir peur même d'un cacrela. You
will be even afraid of a cockroach. Avoir peur même des petites souris. You will be even afraid of a rat. Avoir peur même de quelque chose que tu ne peux pas craindre. You will be afraid of something that you cannot even fear. Avoir peur même de boire de l'eau qu'un sorcier te donne. You can even be afraid to drink a water that a sorcerer has given you. Quand on te dit que celui-là c'est un sorcier qui te donne de l'eau, tu ne peux pas boire. There's people here if they tell you that person is a sorcerer and they Parce give you water, pas you cannot drink. Oh, moi je connais que je boirai le breuvage mortel et cela ne me fera aucun mal. And thou shalt not hurt me. Poison peut signer santé talébélé. Poison is giving me good health. La peur de salir même un sorcier. La peur de traverser même. Hey, là je ne peux pas passer là. Si je traverse cette maman va prendre les mes pas. Pastor, I cannot cette even maman cross. Là. If, hey, pastor, si je lui if la I main, cross, you're going to take my footstep. Il va avoir ma chance dans l'air. You're going to take my chances. Les ténèbres. Their darkness. Amène la personne. It's going to take someone. À vivre dans la peur constante. To live in constant fear. La peur du lendemain. The fear of tomorrow. Ne sais pas qu'est-ce qui va devenir. They don't know what it will become. Ne sais pas qu'est-ce qui va traverser comme réalité. They don't know what comment est-ce qu'il doit survivre. How can they survive? La peur de la vie. The fear of life. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'obscurité, darkness, les ténèbres, darkness. C'est le domaine de ce qui est inconnu. It's the domain of what is unknown. Ta vie est inconnue. Your life is unknown. Ta bénédiction est inconnue. Your blessing is unknown. Tu ne sais pas si tu seras réellement béni. You don't know if you will be ça, truly c'est la personne blessed. Qui vit dans l'obscurité. That's the person who lives in darkness. Alléluia. Amen. Bien-aimé, beloved, ce peuple, these people, vivaient dans l'obscurité. They were living in darkness. Mais la Bible dit ceci. And the Bible says, sur la terre où il y a maintenant des angoisses. If in the earth where there's anguish. Mal, la terre où il y a des angoisses. In the place where there's anguish. La Bible ne dit pas douleur. The Bible doesn't say. Mais la Bible dit angoisse. But the Bible says anguish. Dans la vie de plusieurs. In the life of many. Il y a l'angoisse. There's anguish. L'angoisse caractérise leur vie. The anguish characterizes their en life. In one word, l'angoisse, anguish, c'est en quelque sorte une malaise psychique. It's a bad way that we feel. Et physique à des fois. It's physical sometimes. Né d'un sentiment. It comes from a feeling. De l'immensité d'un danger. Of a greatness of a dangerous thing. Tu ne vois que les choses. Tu ne vois que les dangers partout. You just seeing danger everywhere. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cela caractérise la personne à vivre dans l'inquiétude continuelle. L'inquiétude continuelle. Tu t'inquiètes de tout. You just worry about everything. Comment mes enfants vont étudier? How my children are going to go to school? How are they going to dress? Comment ma famille va s'en sortir? How my family is comment mon mari sera? How's my husband? Est-ce ma femme là où elle est? Or my wife where she is? Tout sera qu'inquiétude. All those little worries. Ça caractérise la vie de plusieurs. It's going to characterize the life of many. Autrement, c'est l'inquiétude métaphysique. In other words, it's a worry, the physical worry. Né de la réflexion sur l'existence. That comes from a reflection that is existing. Tu doutes même sur ton existence. You even existing of your doubting of your existence. Moi réellement, je suis venu dans ce monde par hasard ou je suis venu seulement selon la volonté de Dieu. You telling yourself, am I here just by hazard or am I here for the will of God? Parce que moi aussi, je peux me marier. Can I also get married? Tu te regardes. You're looking at yourself. Tu regardes la personne qui est mariée. You look at the person who's married. Tu dis, mais elle. But that person. Comparable à moi. Comparablement me, really, à moi. Compare it to me. Elle n'est pas jolie. She's not beautiful. Mais moi, je suis jolie. I'm beautiful. Est-ce though. Que les gens me voient ou ne me voient pas? Do people see me or they don't see me? Ce que je dis. What I'm saying. Allez vers 18e rue à Kinshasa. Go to. Verrez des gens qui vont vous dire ça. Tu n'arrives pas à croire sur ton existence. You do not even tu remets en cause même ta beauté. You even tu remets en cause même ton beauty. Intelligence. You even tu remets même your en cause même ton titre universitaire. You even putting in doubt tu remets your en cause degree. Même l'existence de ta vie. You even putting in doubt the existence of your life. Alléluia. Amen. L'angoisse n'est pas bonne. Anguish is not good. Alléluia. Amen. L'angoisse n'est pas bonne. Anguish is not good. Et la Bible dit. The Bible says, ce peuple qui vivait dans l'angoisse. Those people who are living in ce peuple qui vivait dans l'angoisse. These people who are living in anguish. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. In an earth where there's si le temps passé. The time passed. Si le temps passé. If the time on couvert d'opprobre. It covered on couvert d'opprobre. It covered up things.
opprobre. It covers our suffering. Auquel mot Dieu utilise le mot qui convient. God uses the word that is convenient. Quand on parle de l'opprobre, when we talk about shame, c'est vivre l'humiliation. It's living in humiliation. Humiliation. In humiliation. Et quelqu'un qui est humilié, and someone who's humiliated, quelqu'un qui est réellement humilié, someone who's truly au humiliated, sens du mot, in a true si quelqu'un est humilié dans cette église, someone who's humiliated in this church, elle n'aura pas le temps de venir dans cette église. They will not have time to come si in this church. Si elle aura osé de venir dans cette église, if they try to come to this church, elle doit s'asseoir derrière. They're gonna sit in the back. Elle aura même honte de venir donner même l'offrande. They will be even ashamed to come and give the offering. À cause de l'humiliation. Because of the humiliation. Alléluia. Amen. C'est cela l'opprobre. That's what the shame is. C'est-à-dire l'humiliation à l'extrême. It's an extreme humiliation. Et cela se manifeste au milieu public. That comes in a public place. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent. There's people today that talk. Ils parlent quand ils sont à trois. They talk only when they're three. Mais quand ils sont dans la foule, when they're in a ils ne peuvent pas parler. They will not talk. Parce qu'il y a l'opprobre dans sa vie. Because there's shame. Parce qu'il a la elle a la honte dans sa vie. Because there's shame ou il a la life. Honte dans sa vie. Because he et has cette honte shame est caractérisée par quelque chose qu'elle-même connaît. And that shame that is characterized by something that he mais malgré cela, knows. But despite that, malgré cela, despite all, malgré cela, despite all malgré that, l'obscurité, despite the darkness, malgré l'opprobre dans ta vie, despite the shame in la your Bible life, dit ceci. The Bible says this. La Bible dit ceci. The Bible says this. Oh, si le temps passé au couvert d'opprobre le pays de Naphtali et de Zabulon, les temps à venir couvriront de gloire. L'avenir c'est déjà demain. The future is already je vois tomorrow. La gloire dans ta vie. I'm seeing glory in your life. Je vois la gloire dans ta vie. I'm seeing glory je vois in la life. Gloire dans ton mariage. I see glory in your marriage. Je vois la gloire dans vos albums que vous allez faire. I see glory je vois la in gloire your, dans your, vos ministères. I see je vois la gloire de Dieu venir. I see the glory of oui, le passé c'était l'obscurité. Le passé c'était quoi? L'opprobre. Le passé c'était quoi? La honte. Mais les temps à venir couvriront de quoi? Que la gloire de Dieu repose sur ta vie. Que la gloire de Dieu accompagne tes études. Que la gloire de Dieu accompagne tes business. La gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Oui, cette année 2019, nous allons marcher dans la gloire de Shekinah. Nous n'allons pas fournir des efforts. Mais la gloire de Dieu doit venir. La gloire de Dieu doit venir. La gloire de Dieu doit se manifester. Et cela sera non pas à cause de nous. Non pas à cause de nos efforts. Mais à cause de l'homme qui a dit à la croix, Père, tout est accompli. Alléluia. Amen. Je suis à la fin de mon message. Permettez-moi de lire le verset 9. Let me read verse le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière. The people that were working, walking in a darkness, they see non, light. Bama pasa. I'm seeing twins. So you mona bango tenga na mona bama pasa. If you don't see them, mama yako zo bama pasa na yongo na mona bama pasa. If you don't see them, but I'm seeing them. I'm seeing someone who's seeing the paper. I'm seeing a GDP here. Femme d'affaires moko. I'm seeing a business woman here. Mama somba deja babiloko ya laete. Na fwa, somba ngu nakobwa. By the baby stars. Ya na eglise ao. Ya ngu nelita tolipona. Ya la kisa, somba biloko wa pasa mi bale. Ya na ngu neglise. Buy things for the two twins. Ayoka soni. And bring it here to church. Alléluia. Amen. Il est vivant. He's alive. Non, non, mon gloire. I'm seeing glory. Non, mon voyage fungwami. I'm seeing so many. Je vois les musiciens sortir de notre église. I'm seeing aller musicians faire comme going le frère Bakende revenir. Non, je disais, outside. Je vois des musiciens sortir I'm de cette église. Aller faire des voyages missionnaires et revenir à Pendo. Non, je disais, je vois des mamans sortir faire des business et revenir à l'église au Pendo. Je vois la gloire de Dieu dans cette église. Je vois la bénédiction de Dieu. Je vois la manifestation divine en ces lieux. Les peuples qui vivaient dans l'obscurité. Oui, en 2018, nous étions dans l'obscurité. En 2017, nous étions dans l'obscurité. Mais cette année, c'est l'année de la gloire. Cette année, c'est l'année de la gloire. Je refuse l'humiliation. Je refuse les ténèbres. Je refuse les rejets. J'accède dans la gloire. Je veux opérer dans la gloire. Je veux vivre dans la gloire. Et la gloire va m'accompagner. Alléluia. Alléluia. C'est ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort.
une lumière resplendit. A light came up. Quand on parle de l'esprit et de l'ombre de la mort, when they talk about the darkness of death, c'est vivre à compter des jours. It's living by counting days. Je ne sais pas si demain j'arriverai. I don't know if I'll reach tomorrow. Je ne sais pas si je mettrai au monde. I don't know if I'll give birth. Vivre dans l'ombre de la mort. Living in the darkness. Mais un chrétien quand il vit dans l'ombre de la mort, il n'a pas peur. Christian, when he lives in David dit ceci. Quand je traverse le vallée de l'ombre de la mort, when I cross the je ne crains aucun mal. Car ta bâton, ton bâton et ta houlette m'est rassis. Non, laisse-moi te dire. Let me tell you. Peut-être que tu n'as jamais compris. Maybe you had never understood. Ici, c'est le commencement du vallée de l'ombre de la mort. If here, it's the beginning. Et ce vallée prend fin là où il y a ma sœur Nadine. Il y a des gens dans leur vie. There's people in their quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, when they cross the, il arrive ici, il doit mourir. They say, today, here, I'm gonna die. L'autre doit dépasser ici. When they cross mais il arrive ici, il va mourir. They reach there, they say, I'm il y a les autres qui avancent. S'il arrive ici, il doit mourir. Who goes even ça, ce sont say, eux. Mais but moi, la Bible dit, quand je traverse, when I cross, la Bible ne dit pas que je vais mourir. The Bible doesn't mais say la Bible that I'm dit bien, je vais the Bible says that c'est I'm gonna la situation cross. Que tu as, tu es en train de traverser. Tu ne veux pas mourir là. You're not tu ne resteras pas du bon là-bas. You're mais not tu, the même tu es en train de traverser. Le célibat n'est qu'un traversé. La maladie n'est qu'un traversé. La stérilité n'est qu'un traversé. Je suis en train de traverser. C'est-à-dire quand je traverse, j'arriverai de l'autre bord. J'arriverai à l'autre bout. Et quand j'arriverai là-bas, and when I'll reach there, ça sera la gloire du Seigneur. It will be the glory of ça the sera Lord. La gloire du Seigneur. Le pays, le peuple qui vivrait dans l'ombre de la mort, the people who were living in the shadow of the valley of death, une lumière resplendit. A light came up. La Bible dit une lumière. Est-ce que tout le monde a Paul qui était lié? You will not understand, but just so you will just sit like that in light. Yeah, apparition. Lumière, the light will just show up. Le bonan, une lumière resplendit. Just to say the light came. Lumière, may the light come upon you. Jesus Christ. Where the put you, may light take you out in Jesus' name. If the family put you somewhere to do diabetes, let the light shine. The lumière apparaît. Une lumière resplendit dans ta vie. La lumière c'est la solution. La lumière c'est la bénédiction. La lumière c'est le temps de Dieu. The light is the time of God. C'est la visitation divine. The light une lumière resplendit. The light is shining. I would not be in darkness anymore. I took so many times living in the darkness, but this time around. That's why Isaiah was telling people of Israel. Rise up and live right now. If I was remaining in darkness, it was because I was sitting, but stand up. If you're making me sit, I'm going to stand up. If you're trying to make things in front of me so that I fall, whether you are my kid from my dad's side, whether you are my uncle from my mom's side, I'm going to stand. Whether you are a source, I'm going to stand up. Lève-toi. Stand up. Et sois éclairé. And be light now. Mais ici, but here, une lumière. Fais quoi? A light. Une lumière fait quoi? Je prie. I pray. Dans les plus profonds ténèbres de ta vie. In the deepest darkness dans les plus profonds ténèbres de ta vie. In the deepest darkness in que la lumière de Dieu jaillisse. May the light of que la lumière God de Dieu jaillisse. Shine. The light of God shine. Tu rends le peuple nombreux. You make the people great. Tu rends le peuple nombreux. You make the people great. Et tu lui accordes des grandes joies. And you give them great joy. Et tu lui accordes. Bobby, il te donne la joie. It doesn't say that it gives you joy. Le superlatif absolu. He's using an absolute superlative. He said, I'm giving you a great joy. Pas une grande joie. But not a great joy. Vous y êtes avec moi? Are you with me?
Dieu ne dit pas que je te donnerai une grande joie. He doesn't say that I'm going to give you a great joy. Avec moi. Are you with pas une grande joie. Not a great mais joy. Des grandes joies. But so many great joys. Grande joie. That means it's going to increase grande joie. In your health, it gives you joy. In the wife that you're married to, it gives you great joy. In the ministry, it gives you great joy. Mon côté. If the joy is not just in one area of your life, in all areas of your life, in school, it's giving you joy. In health, it gives you joy. At work, it gives you joy. De grande joie. Great joy. Oh, le temps. Nous avons un problème avec le temps. Oh, Dieu. Dieu de mon salut. Je dois respecter le temps. Je dois respecter l'onction. I don't have to respect the time and I also have to Amen. Respect the anointing. Permettez-moi de lire le verset Souka pour tout en Allow me to just read the last verse and then I'm going to finish. Je l'ai dit, mais c'est une introduction. The last verse, does someone remember that? Vous pouvez me donner 5 minutes? Can you give me 5 minutes? Vous pouvez me donner 5 minutes? Can you give me 5 minutes? Nous allons lire, vous allez comprendre et nous allons partir. Nous allons sortir ici arrosés de la gloire de Dieu. We're going to come out of here showered with the glory of God. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. We're going to pray as if we've never prayed. Oh. The man who made you cry is not going to make you cry. That wife that made you walk around is your joy. Said you become my joy. Yeah, Matt, when he leaves you, come a facile obetango. That man, you cry will become easy. Amen. You're not even going to look for Pastor Zalim, but you do math as if Pastor Zalim has showed you. Gloire qui te linga. Isaiah 30 verset combien? Isaiah 30 18. Verse 18. 17. Non, 18. Verse 18. Cependant l'Éternel désire vous faire quoi? L'Éternel désire vous faire grâce. The Lord decides to do you grace. Ce n'est pas ton désir. It's not your desire. Ce n'est pas le désir de ton ennemi. It's not the desire of Ce your n'est pas enemy. Le désir de ton pasteur. It's not the desire of your pastor. Que tu sois béni. That you be blessed. Mais c'est l'Éternel lui-même. But it's the Lord en himself. Cette année 2018. In this year 2019. La Bible dit l'Éternel désire vous faire grâce. The Bible says that God Alleluia. Desires to be l'Éternel gracious L'Éternel désire to faire grâce à une femme ce soir. God is going to be gracious à to un homme, à une famille. He's going to be gracious to a man, to a family. It's Ce a desire It's not a desire oh, of your paternal aussi. Oh, le nom que non. Oh, not your c'est uncle, le désir de Dieu. But it's the desire of God. Et l'Éternel dit ceci. The Lord says this. L'Éternel désire vous faire grâce. Ça, c'est quel esprit? Miss, et qui va pire? Amen. Amen. Nous sommes où? 18. Voilà. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Écoute, Listen, vous allez comprendre. You will understand. Dieu désire vous faire grâce. God is deciding to mais be gracious il regarde to you, dans ta vie. But he's looking in your life, il y a le péché. In the sin. Le péché l'empêche. The sin is preventing vous comprenez? You understand? Et d'office, la grâce de Dieu est barricadée. And that means par that the grace péché. Of God is a mais comme Dieu, stopped by your c'est sin. C'est dans ses résolutions de te faire du bien. But it says it's God dit, by non, his own resolution bénir. To decide to do you good. Mais le péché m'empêche de le bénir. He said, I want to bless him, but the sin is faire? Preventing me. Dieu anticipe. Il envoie sa miséricorde. He said he's going forward even. Et la miséricorde annule les condamnations. And his mercy. La miséricorde annule les condamnations. La miséricorde annule les blocages. It takes away the la miséricorde de Dieu quand elle descend. The mercy of God when it comes down. Le premier, le dernier peut devenir le premier. The last may become the first. Oh, mais là, Milangi peut devenir maman, papa, sabana, mine. Those who cannot bear children. Oh, a pas moi, ma carte peut être bénie. Celui qui n'avance pas peut avancer. The one that does not come forward may do so. À cause de la miséricorde de Dieu. Because of the mercy of God. Car l'Éternel est un Dieu juste. Because ma fille the vient. Lord, l'Éternel est un Dieu juste. Because the Lord que is Dieu a restaure God ta of vie. Justice. De la même façon que tu as été humilié. Que Dieu restaure et console ta vie. Une nouvelle histoire dans ta vie. Je sais de quoi je parle. Une nouvelle histoire. Que Dieu nous étonne. Sois béni au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. Amen. Amen. L'Éternel est un Dieu juste. The Lord of God is justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Bless are all those who wait on him. Voilà ce que j'aime. That's oui. What I like. Peuple de Sion. Yes, people of Zion. Peuple de Siarol.
People of Seattle. Habitants de Jérusalem. People of Jerusalem. Vous qui habitez Open Door. You who lives in Open Door. Tu ne pleureras plus. You shall no longer cry. Oh, lobana olela lisute. Say, I shall not cry anymore. Katalai lobana olela lisute. Say, swear, say that I will not cry anymore. Tala. Not cry anymore. Mutoalo bolela lisute zangate nzambe nem toalo bana. The person who's saying that is not me. God is telling you. God is telling someone you will not cry Papa anymore. Papa wana lisute. That father is not. Chorwana aleli soli soute. That sorcerer is not going to make you cry anymore. Manager wana aleli soli soute. That manager is not going to make you cry. Fiancé wana aleli soli soute. That fiancé is not going to make you cry anymore. Amen. Immigration aleli soli soute. Immigration is not going to make you cry. Wana mena ba Colombe, la ngate egle mokaza. It's a mane of raven. I thought the eagle was here. La façon dont tu as dit amen, ce sont les colombes qui répondent de la sorte. The way you said amen, mais un aigle est plus fort que les colombes. But eagles shout. Alléluia! Amen. Dis trois fois, non les laté, non les laté, non les laté. Say three times, I will not cry, I'll not cry, I'll not cry. Il te fera grâce quand tu crieras. When you cry. C'est pourquoi je dis. That's why I said. La grâce excellente dans la prière. The excellent grace in prayer. Il te fera grâce quand tu crieras. Gracious to you when you will cry. Quand tu crieras. When you will cry. Écoute, dès qu'il aura entendu. As soon as he will hear il ne prendra plus beaucoup de temps. He will not take so much dès qu'il aura entendu. As soon as he will hear that. Il t'exaucera. He shall answer you. Reçois l'exaucement de ta prière. The answer of reçois l'exaucement de tes requêtes. Receive the reçois l'exaucement de tes prières. Receive the answer to your prayers. Lève-toi là où tu es. Stand que Dieu te bénisse, homme de Dieu. May God bless you, man of God. Je n'ai pas le temps de tout continuer. I don't have time je vais to me limiter all. À ce niveau. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Avec la même grâce du Seigneur. With the same grace of the Lord. Lève-toi des mains. Raise both your hands. Demande maintenant à Dieu. Ask God. Que la lumière de Dieu. May the light of God. Puisse resplendir. May it be shone. Que la lumière de Dieu may the light of puisse God se manifester be manifested. Et que Dieu puisse éclairer ta vie. May God light up your life.